Dès la naissance, les tout-petits sont sensibles à leur environnement sonore. Il est donc important de les éveiller à la musique. Non pas au solfège, ça viendra peut-être plus tard. Mais tout simplement au travers de comptines, qui peuvent être également l'occasion de poursuivre la découverte de leur corps et de leur environnement. Il est important d'user d'une voix douce et de gestes lents. Sécurisez l'espace et n'hésitez pas à laisser des jeux à disposition des enfants pour qu'ils puissent s'occuper si leur attention se relâche. On y va ? La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez. La coquine, l'araignée m'a piqué le nez. La coquine, elle avait faim. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine. Et l'abeille m'a piqué l'oreille. La coquine, elle avait faim. Et le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin, et le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin, il avait faim. Cette activité d'éveil est simple à mettre en place et plaît à tous les enfants. Ce n'est pas vos qualités de chanteur qui seront importantes, mais votre enthousiasme. Alors n'hésitez pas, lancez-vous.